Alors, nous savons déjà que le spectre est une ressource naturelle rare qui est essentielle pour les communications sans fil. Nous savons aussi que le 5G arrive et qu'il nous faudra beaucoup plus de spectre. Et vite! Mais savons-nous comment, quand et où le spectre est utilisé? Cette connaissance est cruciale pour l'avenir du sans-fil. C'est pourquoi le Centre de recherche sur les communications a développé un système de classe mondiale pour maîtriser l'environnement des radiofréquences. Avec un réseau de capteurs intelligents intérieurs et extérieurs, fixes ou mobiles, nous pouvons suivre et recueillir les données sur l'utilisation du spectre en temps réel. À l'aide de l'info nuagique, les mégadonnées pourront être analysées et affichées dans un laboratoire de visualisation à la fine pointe de la technologie ou même sur un téléphone intelligent. Ces connaissances serviront à mieux gérer le spectre, ouvrant la voie au partage de spectre et à son allocation en fonction des besoins des utilisateurs. Dans les années à venir, avec l'avènement d'une nouvelle génération de réseaux sans fil, le système continuera à évoluer, offrant des capteurs plus intelligents, une visualisation novatrice et de meilleurs outils d'analyse, permettant au Canada de se maintenir à l'avant-garde de la gestion du spectre. Le Centre de recherche sur les communications. Trouvez ce qui est possible et ce qui fonctionne.